Téléstar, quoi avez-vous ressenti quand vous avez commencé à réaliser que vous alliez tomber? Nicolas, je me suis dit mince, parce que quand on se sait déséquilibré, on sait que si y est mal parti. La moindre inattention, le moindre déplacement du centre de gravité quand j'ai voulu reculer mes pieds, la sanction est immédiate sur les poteaux. Il y a tellement peu de surface que si vous décalez d'un centimètre vous tombez. Après je reste lucide, si y est-il une épreuve particulière, si y est-il une erreur. Soit on ne bouge pas, soit on bouge un peu et si y est-il fini. Je n'aille pas forcément de regrets, pas comme une course d'orientation où il y a de la technique, de l'endurance, un peu de tactique. Ça si y est-il une épreuve où on peut s'en vouloir. D'autant plus que le vent avait l'air de bien souffler quand vous étiez sur les poteaux. Nicolas, oui, si est-il assez surprenant d'ailleurs. On ne se l'imagine pas mais les rafales de vent perturbent largement la concentration. On sent qu'on doit rétablir notre équilibre avec les bras, et ça ne se sent peut-être pas, mais quand on est dessus on n'est vraiment pas à l'aise, notamment à cause des rafales de vent. Comment avez-vous vécu cette épreuve mythique? Nicolas, si est-il vrai que si est-il le 40e jour, mais systématiquement chaque fois que j'abordais une épreuve, le cerveau est bien fait, on se met en mode guerrier et on arrive à oublier qu'on est épuisé et sous-alimenté depuis 4 semaines. Quand je monte sur les poteaux je suis concentré, néanmoins je sens que mon corps a bien souffert et je suis immédiatement mal à l'aise. Si est-il à dire que déjà la posture n'est pas agréable, mes pieds débordent largement, si est-il vraiment inconfortable. On souffre assez rapidement mais on ne bouge pas et on pense à autre chose. Malgré la victoire de Frédéric, beaucoup de téléspectateurs vous considèrent comme l'aventurier parfait qui aurait dû gagner, est-ce que ça rend votre défaite encore plus difficile? Nicolas, oui, suite à la diffusion de la saison, je me rends compte que les retours sont globalement très positifs. Si est-il une aventure où vous n'avez aucun recul, d'ailleurs je n'étais pas forcément lucide. Je trouvais que j'avais fait une bonne aventure, mais après je ne savais pas et j'avais hâte de me découvrir à travers les regards des autres, des médias. Et si est-il vrai que je sens que j'ai beaucoup de soutien, ça fait plaisir, surtout que je me suis reconnu dans l'aventure donc si est-il plutôt flatteur. J'avais pour objectif de ne pas décevoir mes proches, mes enfants qui sont fiers de moi et ils me l'ont redit hier, si est-il la vraie victoire. Après oui, quand on a ce retour là, on se dit mince, je ne suis pas passé loin. Ça donne envie de prendre sa revanche. Quoi avez-vous ressenti quand vous avez compris que Frédéric allait choisir Tania? Nicolas, il faut imaginer qu'à ce moment-là, ça fait à peu près 15 minutes que je suis convaincu que je suis finaliste parce qu'on s'était tapé dans la main et on se l'était encore redit le matin. Donc je suis déçu d'avoir perdu mais je sais que je vais en finale, si est-il trop génial, je suis sur un petit nuage. Mais quand je commence à entendre l'introduction des propos de Fred face à Denis, je comprends très vite que ce ne sera pas moi. Et là oui, j'ai du mal. En fait j'accepte son choix stratégique, mais je n'accepte pas le manque d'engagement dans sa parole. À ce moment-là, je suis très déçu. Aujourd'hui j'ai accepté, digéré. C'était juste une petite parenthèse de frustration hier quand j'ai revu les images de la finale, évidemment, mais voilà si est-il comme ça. Après la trahison de Frédéric, certains pensaient que vous alliez voter pour Tania, y avez-vous songé ?
Nicolas, oui si est plutôt logique, si est plausible. Quand je suis sorti de l'aventure et que je dois rejoindre le jury final, là à ce moment-là, je vote Tania. Et même quelques minutes après. J'ai une envie de sanctionner ce que vient de faire Frédéric, cette petite trahison. Je ne suis pas content et je veux lui montrer, sachant que je suis persuadé déjà que Frédéric va remporter Koh-Lanta malgré ça. Et puis je ne sais pas, je prends un peu de recul, j'essaie de rester pragmatique et objectif et de décider qui est, selon mes critères, le meilleur aventurier sur 40 jours et pas sur un engagement non respecté. Je préfère rester honnête et je considère à ce moment-là que Frédéric mérite malgré tout mon vote. Et puis en votant pour lui, si est aussi un petit clin d'œil à l'Alliance, pour aller jusqu'au bout de la démarche. Si vous deviez recommencer, feriez-vous quelque chose différemment? Nicolas, si j'avais la possibilité de pouvoir refaire Koh-Lanta, je me poserais la question de savoir si les aventuriers présents ne s'imagineraient pas déjà que je fais partie d'une alliance cachée. Je pense qu'on se méfierait vraiment de moi, donc peut-être que je varierais les plaisirs, rire. Après, chaque saison est différente. TF1 a récemment parlé d'une nouvelle édition All Stars, seriez-vous partant pour y participer? Nicolas, oui sans aucun doute, je serais ravi de pouvoir revivre l'aventure. Après tout est une question de timing, surtout si est-il trop proche de mon aventure. Je préférerais laisser un peu de temps car si est-il aussi une décision collective avec ma famille. Pour terminer, quel est votre plus beau souvenir? Et le pire? Nicolas, je crois que le plus beau souvenir restera l'appel à la famille quand Gilles m'a gentiment invité à partager la récompense lors de l'épreuve du tir à l'arc. Un des pires, qui me vient à l'esprit là tout de suite, si est-il l'épreuve des radeaux. Je suis à deux doigts de croquer dans une cuisse de poulet rôti et le rêve s'envole à quelques centimètres parce qu'on tombe dans l'eau. Là j'ai une énorme frustration parce qu'on meurt de faim et tout s'arrête.